champ vint Alexandre le Grand. Du Levant surgit Gengis Khan. Et Tamerlan fit de l'Asie centrale le cœur de son empire. C'est de cet appel deux fois millénaire que s'est forgée l'âme de tout un peuple. La route d'or menant à Samarcande d'abord, puis la voie royale s'éloignant de Boukhara la Noble, et enfin les routes de la soie quadrillant la Transoxiane depuis la vallée du Fergana. Entendu par d'innombrables voyageurs ou conquérants, cet appel a construit ce pays qu'aujourd'hui est devenu l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est au cœur de l'Asie centrale. À l'est du pays et à cheval sur le Tadjikistan et le Kirghizistan, s'étend la vallée du Fergana. Plus de 9 millions de personnes vivent dans cette plaine alluviale fertile du Sirdaria. Les eaux généreuses du fleuve dévalent du Pamir pour irriguer une vallée d'environ 300 km de long et 170 de large. Ayant survécu à la domination soviétique, cette jeune nation plonge dans ses racines toutes les légendes de la steppe. Ces contrées ont connu la gloire et le déclin de plusieurs empires, les tiraillements entre nomades montés sur leurs petits chevaux et paysans sédentaires. C'est aussi d'ici que l'islam du 8e au 10e siècle choisit de rayonner sur le monde. Située dans la partie est du pays, la vallée du Fergana est comprise entre la chaîne du Chatkal au nord, celle du Fergana à l'est et le Pamir Alaï au sud. Marchands et envahisseurs ont souvent choisi d'entrer dans la vallée par les défilés de Khojent à l'ouest, là où le fleuve poursuit son cours en direction de la steppe de la fin. C'est par là aussi que sont arrivés à l'âge du bronze les tribus d'éleveurs qui se sont fondues dans la population. Lorsque le pouvoir soviétique succéda à l'impérialisme tsariste, la vallée se souleva. Et le mouvement Basmati, les Moudjahidines d'Asie centrale, s'opposa à l'athéisme soviétique. Les derniers foyers de résistance furent vaincus par les forces communistes et la répartition des nationalités en 1924 a donné forme au puzzle ethnique actuel. Ce découpage arbitraire imposé par Staline donna lieu aux républiques d'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. La population de cette vallée a depuis toujours une profonde tradition agricole. Déjà un peu plus d'un siècle avant notre ère, l'ambassadeur chinois Chang Qian, pionnier de la route de la soie, atteignit la vallée après avoir été détenu 10 ans durant par des pillards nomades qui hantaient la frontière chinoise. Il célébra la civilisation raffinée du Fergana. Les habitants cultivent la terre, labourent les champs et y font pousser du riz et du blé. Ils font aussi du vin à partir du raisin. Cette région compte aussi de nombreux chevaux racés qui transpirent le sang. Leurs ancêtres sont censés descendre des chevaux célestes. La population vit dans des maisons au sein de cités fortifiées. Elles se comptent en centaines de milliers de personnes. Celles-ci se défendent à l'arc et au javelot, y compris à cheval. Mais des villes, en fonction de la civilisation et de l'occupation du moment, furent aussi construites, telles Fergana et ses larges avenues, qui s'étirent en éventail à partir de l'ancienne forteresse militaire.
Ni le pluralisme ethnique, ni la diversité vestimentaire affichée et parfois surprenante des habitants n'efface l'urbanisme à la russe de Tachkent. Une ressemblance amplifiée par les grands complexes commerciaux, les parcs, les fontaines, l'architecture socialiste et les zones industrielles. En contraste absolu avec la ville musulmane ouzbek de Marghilan, toute proche. Le grand canal du Fergana, construit en vertu du proverbe « ce n'est pas la terre mais l'eau qui donne les fruits », traverse aussi par l'une de ses ramifications la ville. Creusé dans les années 30 sur une longueur de 270 km en seulement 45 jours, par 180 000 volontaires forcés, il fut célébré comme un grand exemple du cochard ouzbek, effort collectif pour le bien de tous. Avec une population d'environ 200 000 habitants, dont la diversité ethnique et culturelle s'affiche en permanence sur les innombrables marchés, cette cité, ex-centre régional du gouvernement tsariste et soviétique, est devenue la troisième ville de la vallée. Alternance de campagnes, de villes prestigieuses et de cités légendaires parfois, le cœur de la vallée bat entre nomadisme et sédentarité au gré des vents de l'histoire de toute l'Asie centrale. Alexandre le Grand, Tamerlan, les Mongols s'arrêtèrent ici. Et Babur, un enfant du pays qui déclarait « À 12 ans, je suis devenu souverain du pays de Fergana » avant de s'exiler plus à l'est dans ce pays qu'est le Pakistan d'aujourd'hui et de fonder l'Empire Moghol. Longtemps détentrice des secrets de la sériciculture, la ville de Marghilan était une étape importante de la route de la soie au IXe siècle. Mais la légende locale fait remonter son existence à Alexandre le Grand. À la fin du XVe siècle, Babur la décrit comme une superbe ville pleine de bonnes choses. Ses abricots et ses grenades sont délicieux, la chasse à cour et au gibier y est excellente. Même s'il note que la plupart des fiefés brigands de Samarcande et de Boukhara viennent de Marghilan. Comme presque toute la vallée, la ville est un bastion traditionnel de l'islam. Au XIXe siècle, Marghilan possédait plusieurs médersas et plus de 200 mosquées, mais bien peu ont résisté à la violence bolchévique. L'athéisme du régime soviétique a amené les fidèles à prier chez eux, jusqu'à ce que l'indépendance leur permette de proclamer à nouveau leur foi en bâtissant d'innombrables mosquées. À Marghilan, comme dans tout le Fergana, le pain est une valeur traditionnelle historique et affichée. De multiples boulangeries le fabriquent, de façon artisanale, dans tous les faubourgs des villes et villages de la vallée. Salut la compagnie, ça va? Bonjour mon ami, comment vas-tu? Je m'appelle Karimov Nandir. Je travaille dans cette boulangerie, mais je ne fabrique pas le pain. Je le vends sur le marché central de Marghilan. Quand Alexandre le Grand arriva ici, les habitants de la ville lui offrirent du poulet, marg, et du pain, nan. Depuis, la ville s'appelle ainsi. Cela fait 5 ans que je travaille dans cette boulangerie et en exerçant ce métier, je ne gagne pas trop mal ma vie.
Et puis j'aime ce job, car c'est un métier de tradition qui nous est transmis de génération en génération. Mon père me l'a enseigné et je l'enseignerai aussi à mes enfants. La tradition du pain est forte. Même façon, mêmes ingrédients, même soin depuis des millénaires et même four de terre cuite aussi. La seule concession faite au monde moderne est le gaz. Ce ne sont plus bois ou charbon qui assurent la combustion. Dans la culture ouzbek, le pain est très respecté, presque vénéré. Lorsque, par exemple, le fils d'une famille part effectuer son service militaire, il mord dans un pain, un nan frais. Ce dernier est ensuite suspendu pour le protéger. À son retour, le pain sera partagé et consommé. Enduit d'une légère couche d'huile qui le rendra plus brillant et qui prolongera sa conservation, le nan est comme chaque jour acheminé pour être vendu par Karimov sur le marché central de Marghilan. Dans ce marché, on commerce, on se salue et on boit du thé dans un tourbillon de longues robes et de soieries locales. Dans ce lieu très convivial se révèle toute la luxuriance de la vie traditionnelle ouzbek. Abricots et grenades, dont Babour vantait l'abondance, remplissent des bassins entourés de tapis de melon et de sacs d'épices. Des commerçants en herbe apprennent le métier qu'ils devront, par tradition, exercer plus tard. À l'opposé et à l'extrême nord de la vallée, au pied des premiers contreforts de la chaîne du Chatkal et longeant la frontière kirghize, la petite ville de Nanaï affiche aussi une intense activité. À majorité tadjik, cette cité porterait son patronyme grâce à un pèlerin qui aurait fredonné l'air d'une chanson en ces termes « Nananaï » en arrivant ici. Tous les habitants du lieu l'affirment et tiennent à cette légende. Nous sommes au cœur du monde rural ouzbek. Sur les marchés des villages environnants, se côtoient en permanence éleveurs et agriculteurs. Agriculteur, le mot est fort, car ici on ne cultive en majorité que de petits jardins. Lors de la présence soviétique, Moscou attribua à chaque famille une petite parcelle de terre. Ce lopin s'utilisait pour les besoins propres des villageois, et l'indépendance de 1991 n'a rien changé à cette prérogative.
On est en effet loin de la monoculture développée à grande échelle dans certains endroits de la vallée lors de l'époque soviétique. Cette famille s'intègre totalement dans ce mode de vie. Elle possède un petit jardin et quelques bêtes pour assurer le quotidien. Chaque matin, avant d'endosser les charges journalières de chacun, on se retrouve autour du petit déjeuner. De l'autre côté de la vallée, et aux antipodes de cette vie rurale austère, mais à seulement quelques 150 km, on petit-déjeune aussi. Sans vouloir plagier Monsieur de La Fontaine, la fille des villes diffère dans son mode de vie de notre fille des champs de Nanaï. Mais en apparence seulement, car seules les activités journalières hors période scolaire présentent des différences fondamentales. Car à Nanaï, notre fille des champs déborde d'ambition. Mieux, elle s'en donne les moyens. Je m'appelle Ferouza et j'aurai 18 ans dans 15 jours. J'habite ici, dans le district de Yangi-Gourgan, plus précisément dans le village de Nanaï. Nous sommes 6 dans la famille. Mon père, ma mère, j'ai un frère et 2 sœurs. Je vais à l'école et je suis des études de droit. Mes rêves professionnels pour le futur sont très ambitieux. Je souhaite devenir une grande avocate ou une juriste reconnue. D'ailleurs, je vais bientôt rentrer à l'université. Et je sais que je devrais prendre sur moi pour assumer la charge de travail qui devrait m'aider à concrétiser ces rêves d'avenir. Si élevage et jardinage sont le quotidien de Ferouza, pour notre fille des villes, c'est bien différent. Ordinateur et Internet font depuis longtemps partie de la vie courante de tous les jeunes citadins, et ce, quel que soit le niveau social. Je m'appelle Azima Akmazoua. Je vis dans la ville de Fergana, où je fais mes études secondaires. Ferouza, point de répit pendant ses vacances scolaires. On est bien loin ici des codes civils ou autres codes pénaux. Tous les matins, le réveil se fait à l'aube, et ce n'est que très tard le soir que l'on rejoint sa couche. Pendant l'année scolaire, cette jeune fille est en internat, une aubaine pour elle, car c'est la seule façon qu'elle a d'apprendre. Dans la dureté de ce monde rural, ce sont des activités de chacun que dépend la survie financière des familles, alors peu ou pas de place pour les études. Azima n'est pas confrontée à ce type de problème. Comme la majorité des jeunes filles vivant dans les villes de la vallée, elle n'a pas de charges intensives. Alors la journée, on se rencontre entre copines et on flâne dans la ville. Ma
À la rentrée de septembre, je serai en 11e. C'est la dernière année du secondaire. Je vais bientôt avoir 17 ans et après ce cycle du secondaire, je vais tenter l'examen pour entrer à l'université, la faculté de langue étrangère, car je souhaiterais plus tard être une excellente interprète. J'aime la langue française, que je parle un peu, mais surtout j'adore l'ouzbek, car je suis passionnée par la littérature de mon pays. La vie des champs n'empêche nullement la rêverie, et Férouza, malgré son peu de temps, cultive aussi un jardin secret. Quand on vit sur Terre, on se doit toujours d'affronter ses rêves, n'importe quel jour, qu'il soit bon ou mauvais. Et moi, comme tout le monde, j'ai des rêves personnels qui me tiennent à cœur. Outre mes ambitions professionnelles, je souhaite depuis ma plus tendre enfance avoir une belle et grande voiture. Une BMW, par exemple. Une des plus chères. Et surtout le dernier modèle. Je serais fière de promener ma famille dans un tel engin. Cela représente un très grand symbole de réussite pour moi. Étrangement, à l'autre bout de la vallée, les rêves revêtent une certaine similitude. Mon rêve serait d'être une excellente spécialiste linguistique et de faire tout mon possible pour contribuer à aider ce pays, l'Ouzbékistan qui est le mien. J'aimerais aussi voyager, visiter d'autres pays et en premier lieu surtout la France. Quand j'aurai terminé mes études, je souhaiterais aussi créer une entreprise, acheter une grande maison pour mes parents et surtout une voiture. Ce qui est troublant dans toutes les villes de la vallée, c'est cette disparité vestimentaire qui s'affiche par rapport au monde rural. La majorité des femmes et jeunes filles s'habillent à l'européenne et les jupes, pour un pays islamique, sont parfois très courtes. Cette tolérance est sans aucun doute issue de cette longue période de l'occupation soviétique. Une vision surprenante car historiquement, la vallée du Ferghana a toujours été non seulement le carrefour politique de la région, mais aussi et surtout un centre de tradition religieuse où l'influence de l'islam n'a jamais cessé de se faire sentir. Fidélité à la famille, au clan, au village et à l'oasis, le respect mutuel ainsi que l'autorité de l'Aksakal ou Barbe Blanche sont encore les fondements traditionnels de la société de la vallée. Soixante-dix ans durant, la religion fut strictement contrôlée par le pouvoir soviétique, mais après la perestroïka, un mouvement de réislamisation conservatrice encadré par le gouvernement a vu le jour. Il permettait en effet de redécouvrir le patrimoine, de se réapproprier la culture historique du pays, d'effectuer une reconquête du passé. L'islam est ainsi devenu une composante de l'idée nationale et du nationalisme, permettant notamment aux gouvernants de prendre certaines distances vis-à-vis de l'ancienne puissance dominante. Comme ici, à Kasansai, où cette mosquée du XIIIe siècle, l'une des plus grandes d'Asie centrale, fut tour à tour, pendant l'époque soviétique, transformée selon les uns en bibliothèque, pour d'autres en musée, et plus certainement en école communale. D'origine, il ne reste que les portes.
Pourtant, elle rivalise de détails architecturaux, un complexe religieux à couper le souffle. La foi déplace des montagnes, dit le proverbe. Cette mosquée fut restaurée en un temps record par tous les villages et hameaux des alentours. Chaque fidèle y apporta sa pierre. Maintenant, elle peut accueillir en prière jusqu'à 8000 âmes sur 2 étages. Les décors traditionnels du Fergana, un art en pleine renaissance, ornent chaque centimètre carré de couleurs et de sculptures raffinées. En été, la vallée du Fergana tient à ce point de l'étuve poussiéreuse que de nombreux habitants renouent avec le nomadisme ancestral pour venir sur les hauteurs. La station populaire de Chakimardan associe air frais, cours d'eau rapide et lacs de montagne au double attrait de centre de pèlerinage politique et religieux. Chakimardan est une enclave ouzbek nichée dans la chaîne kirghize de l'Alaï. Le nom de Chakimardan, roi des hommes, fait référence à Hazrat Ali, beau-fils de Mahomet et 4e calife de l'islam. Après l'assassinat d'Ali à Koufa, en Irak, le clan des Omeyyades usurpa l'autorité califale en tuant son plus jeune fils, Hussein, le petit-fils du prophète. Cet événement sanglant déclencha la plus grande division du monde islamique. Selon l'une des nombreuses légendes, à l'approche de la mort, Ali fit creuser 7 tombes en différentes parties du monde. Sa dépouille fut placée sur un chameau qui, au bout de quelques pas, se divisa en 7, portant chacun une part de la dépouille sacrée. L'Ouzbékistan prétend que 3 chameaux se sont arrêtés sur son territoire, à Chakimardan, à Kiva et à Nourata. Mais l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan revendiquent aussi leur part de reliques. Quoi qu'il en soit, Chakimardan a acquis une réputation de lieu saint. Et en saison, un air de vacances envahit les bazars et les parcs, des vendeurs proposent des colliers d'abricots secs, tandis que des photographes vous immortalisent à côté d'un aigle ou d'un faisan. Les habitants de la vallée prennent un peu de répit sur ces hauteurs avant de retourner dans la fournaise. On vient ici en été pour se rafraîchir, s'aérer et surtout se reposer. On se repose de l'intense activité qui rythme chaque jour la vallée. On se repose de cette monoculture intensive héritée de l'ère soviétique et qui impose au paysage ses champs à perte de vue. À tel point qu'on construisit le grand canal du Fergana dans les années 30 pour que tout cet effort consenti à Moscou puisse satisfaire son insatiable avidité en coton. Mais l'Ouzbékistan paye aujourd'hui cette lourde consommation en eau. Le canal a absorbé de tels volumes des fleuves alentours que la mer d'Aral, qui s'en nourrissait, a vu sa surface diminuer de moitié depuis 1960. Malgré les coûts écologiques croissants de la culture du coton, l'Ouzbékistan indépendant maintient sa production, indispensable à l'économie du pays. Même si une partie de ses terres arables est aujourd'hui affectée à des cultures céréalières moins gourmandes en eau, la récolte annuelle de quelques 4 millions de tonnes de coton brut maintient le pays parmi les 5 plus gros producteurs du monde. Cette petite exploitation privée, non loin d'Andijan, vient pleinement s'intégrer dans ce processus de développement généré par Moscou et entériné depuis 1991 par Tashkent. Je m'appelle Azamjon Korebaev. Je suis né ici dans le district de Asaka, dans le village de Koratepa. J'ai 3 enfants et je suis agronome. J'ai débuté ce métier en travaillant dans la communauté des fermiers de Babour pendant 15 ans, un kolkhoz du temps de l'Union soviétique. Maintenant, les kolkhozes s'appellent Shirkat, terme ouzbek qui veut dire la même chose. Ici, nous ne sommes pas dans un Shirkat, mais dans une jeune entreprise agricole privée. Cela fait tout juste un an qu'elle a été créée. Le patron s'appelle Iti Orbek, et moi, je suis le chef d'équipe des ouvriers. La saison de culture du coton débute au mois de novembre. On aplanit d'abord la terre et on la laisse reposer pour qu'elle se régénère pendant toute la période hivernale. Au mois de mars, on plante. Ça pousse vite ici, car en avril, déjà, on trie et on commence à arracher les mauvais plants et les mauvaises herbes, celles qui risquent de contaminer et de tuer le coton. On irrigue très souvent, car le coton a besoin de beaucoup d'eau. Après, on va alimenter en engrais toutes ces pousses. Cela se passe généralement en saison du 15 juillet au 20 août. Puis on taille les plants. Les récoltes de coton s'effectuent généralement du 1er septembre au 15 octobre.
La culture du coton nécessite beaucoup d'attention et de soins, une fois les premières pousses sorties. Il faut en permanence entretenir la plante. C'est pour cette raison qu'il y a toutes ces ouvrières dans le champ. Chaque jour, elles passent pour nettoyer les allées. Dans le processus de développement de la plante, ce sont les chana, c'est-à-dire les feuilles, qui sortent d'abord. Ensuite viennent les fleurs, qui changent de couleur en arrivant à maturité. Du jaune, elles passent au rouge, et c'est seulement après que cette fleur rouge se transformera en une espèce de boule qui, à l'éclosion, donnera le coton. Mais ce qui fit la réputation de la vallée est avant tout la sériciculture. N'oublions pas que nous sommes au cœur de la route dite de la soie. Je m'appelle Omar Chayef Uktam. Je travaille dans cette fabrique, une coopérative qui se nomme Yordgorlik, ce qui veut dire « savoir ». Je suis ingénieur en chef et à ce titre, mon rôle consiste à contrôler tout le processus, la chaîne de fabrication du début jusqu'au produit fini. J'habite ici, à Marghilan. Ce qui surprend le plus dans cette fabrique, c'est la mécanisation héritée de l'époque soviétique qui côtoie d'ancestrales pratiques manuelles de la sériciculture. Dans cette fabrique, nous travaillons avec des cocons que nous avons nous-mêmes élevés, ce qui nous garantit une bonne matière première. Nous détachons d'abord les fils des cocons pour les mettre sur bobine. Ensuite, nous renforçons le fil en l'unifiant, car généralement, dans un fil de soie, il y a trois fils d'origine. Certains pays, comme la Chine, nous en demandent quatre. Ensuite, on blanchit et on fait le design, c'est-à-dire la teinture. Après, nous séchons l'ensemble, puis nous réenroulons les principaux fils, ceux qui vont servir à créer les motifs, dans la forme naturelle du cocon d'origine. On fait cela avant tissage pour éviter une détérioration du fil. Le processus de fabrication s'achève avec le tissage. Tu vois, dans cette fabrique, toute la chaîne est représentée. On part du verre à soie jusqu'au produit fini. La mécanisation à grande échelle a transformé la sériciculture et fait de Marghilan le principal centre de la production soviétique. Mais en 1983, un groupe de travailleurs de la soie de Marghilan a tourné le dos à la production de masse pour remonter un atelier traditionnel. Le succès de leur travail entièrement manuel, pourtant parfois plus cher que les prix pratiqués par les industriels, leur permet aujourd'hui d'employer près de 2000 ouvriers sans toutefois renier leur objectif de départ. Même si les machines ont depuis quelque temps fait leur apparition dans cette fabrique de Yordgorlik, le hall voisin résonne du claquement des métiers à tisser devant lesquels s'activent les femmes. Alors apparaît le fameux Kanatla, le roi des motifs, ce dessin chatoyant qui envahit les rues ouzbèques.
Ça et là, de l'air des hirsts brûle au-dessus des ouvrières et de leur métier pour éloigner le mauvais œil. La sériciculture n'est pourtant pas le seul artisanat de réputation internationale de la vallée. La ville de Tchoust est connue de longue date pour la fabrication originale de ses couteaux. Je m'appelle Solijonov Kahorjon. Je travaille dans cet atelier qui maintenant m'appartient depuis 1983. Je suis coutelier. Ici, nous fabriquons ce que l'on appelle les couteaux nationaux. C'est un label de qualité, une norme. J'habite ici, à Tchoust, où je suis d'ailleurs né. Fabriquer des couteaux est une véritable tradition. Toutes les familles de couteliers y participent. Nous travaillons d'ailleurs dans cette petite entreprise privée depuis plusieurs générations. C'est une entreprise rentable. Nous fabriquons entre 20 et 30 couteaux par mois. Nous les vendons ou nous les utilisons nous-mêmes. Ce métier est agréable. Il ne nous manque rien. Les habitants d'ici affectionnent particulièrement ces couteaux. Pour fabriquer un couteau, rien de plus facile. On prendra un morceau de fer que l'on va façonner dans la forge. Le manche est une simple corne de vache que l'on va également travailler. Les décorations, celles qui ont fait la réputation de la ville de Tchoust, sont faites à l'aide de plomb que l'on coule entre le manche et la lame et de cire de couleur. Pour éviter l'oxydation, j'enduis la lame d'un produit qui la garantit pour un minimum de 3 ans. Le seul véritable problème est le manque de matériaux et de pièces, notamment pour les machines, car les pièces de rechange viennent de Russie et parfois elles ne sont pas disponibles. Alors on se retrouve avec quelques manques à gagner. Il nous manque aussi des meules qui deviennent assez difficiles à trouver sur le marché. Mais en règle générale, on ne se plaint pas. Les affaires dans la coutellerie marchent assez bien, d'autant que l'on fabrique pas mal de variétés. Le couteau national ouzbek, pichok, date de l'âge de pierre, mais sa valeur symbolique et décorative a depuis supplanté son usage militaire. Outre le fait qu'il convient parfaitement pour découper les melons, il protégerait contre les blessures et le diable. À l'image du parc Mavlono-Loutfoulo de Tchoust, toutes les villes de la vallée sont pourvues de ces havres de verdure construits lors de l'époque soviétique. Il y fait bon s'y promener, s'y restaurer, et surtout glaner un peu de fraîcheur lors des fortes chaleurs estivales. On y vient généralement en famille, et les animations et autres manèges n'y manquent pas. Agencés sur le modèle des grands parcs moscovites, ces lieux de détente perpétuent le souvenir russe.
La déclaration d'indépendance d'août 1991 a pris plus d'un ouzbek par surprise. Et le pays tout entier bafouilla dans le grand vide que laissait l'implosion de l'URSS. Les Russes quittent peu à peu l'Asie centrale. C'est près de 300 familles qui, au plus fort de ces départs en masse, quittent chaque jour le pays. En Ouzbékistan, il constituait 8,3% de la population en 1989. 10 ans plus tard, ce pourcentage avait chuté à 4,5%, tant en raison d'une natalité réduite que de l'émigration accrue. Je m'appelle Olga Gorbonsova. J'habite ici, en Ouzbékistan, dans la ville de Fergana. Même si je suis d'origine russe, je suis née ici. Ce pays, je le considère comme le mien, comme ma patrie, et non comme une terre d'accueil. Je travaille comme beaucoup de Russes ici, dans un hôtel. Je suis réceptionniste. Depuis maintenant 2 ans, j'exerce ce métier. C'est passionnant. L'équipe est sympathique et les nombreux contacts que je peux avoir avec des étrangers m'ouvrent certaines perspectives. Une grande partie de cette communauté russe s'est spécialisée et est employée dans les hôtels touristiques de la vallée. Pourtant, peu parlent ouzbek, malgré plus d'un siècle de présence. Éducation et langue prennent encore racine au pays des Tsars. Comme je te l'ai déjà dit, je suis russe d'origine. Mais étant née dans cette ville, je me sens plus ouzbek. D'ailleurs, ma famille habite ici depuis plusieurs générations. Après la construction de cette ville, à la fin du 19e siècle, beaucoup de Russes et d'Ukrainiens ont immigré et se sont installés ici. Mes ancêtres faisaient partie de ces gens. Après l'indépendance de 1991, beaucoup de familles russes sont parties en Russie. Moi, il ne m'est pas venu une seule seconde à l'esprit de quitter ce pays. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Même d'origine russe, je suis ouzbek. Olga, quant à elle, parle aussi l'anglais. Et c'est grâce à des cours de soutien que cette jeune femme améliore ses fins de mois. Это местоимение. Ви – это кто, Владик? Ви. Это мы с тобой. You – это ты. Это ты. They – это кто? Они. Они. Отлично. А мы с тобой говорим сейчас про глагол to be. Kime dostları yetenen bir burca avda gören can. Ne kadar yandır uhumi yavda gören yaman. On ne peut quitter la vallée sans être passé à Kokand, la cité du sanglier ou encore la cité des vents. Cette ville doit son nom au puissant Khanat qui, au 19e siècle, étendait son pouvoir de la vallée du Fergana jusqu'à Tashkent et aux steppes méridionales du Kazakhstan. Relativement récente par rapport aux autres villes du Fergana, Kokand est rapidement devenu un centre commercial et religieux prospère, rivalisant avec les Khanats de Boukhara et de Kiva. La religion musulmane a toujours été très présente à Kokand. Certaines médersas, comme celle-ci, ne cessèrent d'enseigner les écrits saints malgré la présence soviétique. Des professeurs d'arabe et de Coran occupent encore aujourd'hui toutes les pièces de la façade principale. Des dizaines de cellules d'études accueillent jusqu'à 200 étudiants de tous âges. Очень нагрузка.
Mais Kokand est aussi célèbre pour ses chaykhana, les fameux salons de thé. Depuis la nuit des temps, on savoure dans ces alcôves traditionnelles thé vert ou thé noir, tout en dégustant une grande variété de kebabs. Je suis Abdou Ahad et je suis le propriétaire de cet établissement de thé que l'on appelle ici Chaykhana. Il y a toujours beaucoup de monde, car comme tu as vu, on est très bien situé. Depuis maintenant 60 ans, cette Chaykhana existe. C'est traditionnel chez nous. Surtout ici à Kokand, la cité du sanglier. Les gens viennent régulièrement dans ce type d'endroit. C'est un lieu de réunion où entre amis on peut refaire le monde. On boit ici du thé vert ou du thé noir, cela dépend des goûts. On le prépare dans des théières en faïence qui viennent aussi de la vallée du Fergana. Dans les Chaykhana, personne n'est pressé, et c'est un lieu de détente. On prend le temps de déguster son thé dans une grande convivialité. Mon établissement a été construit de telle façon que l'on peut y venir en n'importe quelle saison. Été comme hiver, tu peux déguster ton thé. Et puis je le répète, nous sommes bien situés dans ce vieux quartier de Kokand. Face à la mosquée, l'endroit est très fréquenté, donc je ne désemplis pas du matin jusqu'au soir. Toute la ville grouille de chaykhana du même type. Chaque carrefour, chaque coin de rue possède un salon où les discussions n'en finissent pas, où l'on se retrouve entre amis ou voisins pour refaire le monde. Un lieu de convivialité typiquement ouzbek. C'est généralement d'ici que partent les rumeurs, et c'est aussi de ces officines que se sont organisés tous les mouvements d'opposition aux différents régimes qui ont traversé l'histoire. L'indépendance a consolidé les frontières de l'Asie centrale au-delà de toute espérance. Mais ces dernières années, des querelles mineures ont parfois dégénéré en des pogroms, divisant d'anciens peuples frères. La vallée du Fergana, qui est la zone la plus peuplée d'Asie centrale, constitue non seulement un laboratoire politique, mais aussi un réel indicateur économique de la région. Sous le régime soviétique, c'est ici que les pratiques musulmanes ont le mieux résisté. L'argent étranger en provenance de riches pays musulmans trouve aujourd'hui ici un terrain favorable au soutien d'un islam plus radical que celui revendiqué par le gouvernement local. Avec son brassage culturel et son économie interdépendante, la vallée du Fergana est depuis toujours un baromètre de la stabilité régionale.
Qalbimning orzulari o'zga dunyo.